Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on ouvre une unbox, voilà, comme d'habitude, sauf que cette fois je l'ai eu super en retard, qu'entre temps je suis tombé malade, et voilà, il s'est passé plein de choses. Donc c'est parti, on va ouvrir ça, on se munit bien évidemment de la petite baguette magique du 9-3, histoire d'ouvrir ce colis, et avant d'ouvrir ça, écoutez, ça je crois que c'est le bruit de petits bonbons contenus dans une dans un étui en métal, ou alors je me trompe totalement, hein, mais bon, je me rappelle plus le nom des bonbons, mais c'est les mêmes qu'il y a dans le tombeau des lucioles, hein. Parce que j'en avais commandé en fait. Alors, est-ce que tu deviens ok, sachant que je l'ai jamais dit, mais bon, ça paraît évident, c'est que le colis fait le tour de la planète, hein. Il vient du Japon directement. Tous les produits sont été sélectionnés et tout. Il me semble que c'est obvious. Ça, c'est le récapitulatif d'avril. Alors, à la découverte du studio Ghibli. Alors, on sera sur une box un petit peu Ghibli. Donc, le studio Ghibli a été fondé en 1985 par l'éditeur Tokuma Shoten et les deux grands réalisateurs japonais Hayao Miyazaki, et Isao Takahata. Après la sortie du film Nausicaa, la vallée du vent, se lancer dans la création d'un studio d'animation n'est pas une chose simple, apparemment, non. Cela demande énormément de travail. D'ailleurs, Miyazaki qui prend sa retraite, qui revient, qui le reprend, donc voilà. Donc les deux ont fondé donc ce studio Ghibli, donc non choisi par Hayao Miyazaki, en référence aux avions de reconnaissance italiens de la Seconde Guerre mondiale, appelés Caproni CA 3092 Ghibli. Ah d'accord, donc c'est italien en fait. D'où Porco Rosso, je pense. Bon, là c'est la liste des succès, des films et tout ça. Bien sûr, ils sont nombreux, comme Rosa Totoro, Le Château dans le Ciel, Le Tombeau des Lucioles dont je parlais, par rapport au bonbon. Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Kiki la Petite Sorcière, Porco Rosso. Dernièrement, il y a eu quoi dernièrement? Les Souvenirs de Marnie, je crois. Je suis pas sûr que ce soit du coup, si, ouais. Les mondes des petits chatardeurs. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un journal. Et oui, avec tous les trajets de train possibles et imaginables au Japon. Voilà. Donc si vous voulez aller. Et j'aperçois une boîte à bonbons là-bas. Vous avez raison. Alors ça c'est un protège-document, je sais pas, avec mon voisin Totoro et ses potes, et voilà, je ne sais plus du tout comment s'appellent les deux filles, je l'ai vu il y a très longtemps, et je pense que c'est pas l'un des plus beaux, mais il a quand même une belle histoire. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un cahier, d'accord, un cahier à lettres peut-être, non, même pas. Un cahier, mon voisin Totoro. My neighbor Totoro. Ah d'accord, j'ai pas eu le haut à la fin. Voilà, super bien décoré, avec des petits trucs. Sachant que je crois qu'en version originale, c'est Tonari no Totoro, c'est ça? Ouais. Oh! Alors ça... Ah non, c'est une boîte. Ça, j'en avais déjà eu une. Et qui était beaucoup plus petit et beaucoup plus moche. Et celle-là est super belle, une espèce de style boîte bento, petit truc comme ça. Enfin, nous en France, on appellerait ça un Tupperware, les gars. Mais, ça, je l'ouvre directement. Je suis complètement intéressé par ceci. Il y a la petite notice. Ah, c'est vrai. Ah voilà, avec le petit séparateur et tout, on est vraiment sur une boîte de style bento. Je vous laisse les explications. Débrouillez-vous. Voilà. Donc une petite illustration de Tonari no Totoro. Ah, et là on a quelque chose d'intéressant en fond. Parce que je demandais quand est-ce qu'on allait avoir des t-shirts. Parce qu'à chaque fois quand on commande... on nous demande les t-shirts, comme quelle est votre taille de t-shirt, quelle est votre voilà, vos mensurations. Et donc là, je vois quelque chose d'intéressant. Mais on va commencer par la bouffe, parce que la bouffe, c'est cool.
Et donc on a des petites chips, on a un petit assortiment de chips de tortue là, c'est des chips de tortue, c'est étrange. On a un Omaibo aux brochettes, je pense, ça je ne sais pas ce que c'est. On a un bonbon Hello Kitty très probablement acide. Et des chips Calbi. Calbi, je ne sais pas si vous avez déjà vu la pub avec le chien, mais elle est géniale. Alors, on a un certain nombre de choses tout au fond. Les bonbons. Je vous l'avais dit ou pas? Je le savais. Je le savais. Les bonbons de... le tombeau des lucioles, voilà, maintenant le nom m'échappe. Alors, dans l'animé, en fait, c'est cette face-là qui est représentée. Et donc, c'est la petite fille, la petite sœur du héros qui mange ses bonbons. Très beau film à voir, d'ailleurs. Alors, ça, c'est... Ah oui, ouais, c'est quoi le rapport avec Ghibli? Oh, la chaîne de Senseiya, je vois pas le rapport, mais ok, pourquoi pas. En plus, il est moche. Alors, oula. Alors ça, c'est une petite... c'est pour les gens qui sont fans de comment? Miniaturisme? Modélisme? Modélisme? Non, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une espèce de petit paysage. Bon, on peut en faire des trucs sympas avec les figurines aussi. Hein. Faire des trucs sympas, moi je suis pas fan, mais c'est possible. Alors là, on a une espèce de petit jardin, je sais pas comment ça se présente. Ah, on a le sable d'un côté, les petits cailloux. Là, il faut mettre le sable, et puis on a un petit râteau pour ratisser, pour faire ambiance zen, je sais pas, des temples. Pour faire comme dans un temple, sûrement. D'accord. Je suis pas sûr de le faire, hein, les gars. Et là, c'est le t-shirt de Zelda. Ok. Zelda, jeu mondialement connu, pour être développé par le studio Ghibli, hein. Au bout d'un moment, Ah, purée. Hop. Oups. On a la Triforce derrière avec la tête de Link là devant. Je sais pas si on verra bien. Hop, je vais présenter devant là. Ouais. C'est tout. Bah, y a plus rien. Ah si, il y a quand même le journal. Voilà. Le journal. C'est cool. Mais écoutez, apparemment, il y avait plein de choses assez sympathiques, je dirais. Plutôt de bonnes surprises au niveau de mon voisin Totoro. Avec cette superbe... je crois qu'on dit lunchbox. Je sais pas. Moi, je pensais à un bento, donc voilà. Si vous dites l'unbox, vous dites l'unbox. Après, voilà, on va pas se battre, hein. Ça va pas être la guerre ouverte. Hein. Alors, moi, je voulais voir les chips de tortue, là, voir ce que ça donnait un peu. Donc ça, pour moi, d'après le visuel, d'après, voilà, ce sont des chips à la tortue. Après, à mon avis, ça devrait souffler au soja, mais... tu du riz ou tout ce genre. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans cette boîte-là? Donc la chemise format A5, le protège truc. La boîte bento, mon voisin Totoro, donc on dit bento. Les boîtes à bonbons du tombeau des lucioles, le cahier Ghibli, le t-shirt, le Zelda, d'accord. Le petit jardin zen japonais. Et la peluche Senseiya et toutes les friandises. Petit chocolat. Ah, c'est un petit chocolat, ça. Ah oui, d'accord. C'est un petit chocolat. Donc, les petits chocolats, les chips, l'Omaibo Yakitori, c'est un chamallow des deux Kitty, ensuite. Le Kame-sen. Alors, Kame, c'est la tortue. Snack de farine, saveur sucrée salée. Ah, il n'y a pas de tortue dans ce snack. Qu'est-ce que c'est que cette... je voulais manger de la tortue, les gars. Au bout d'un moment, on me vend du rêve, et finalement, on me vend rien. Donc, faut arrêter.
Bah, le chips saveur consommé. Consommé. Je m'arrête là. Vous chercherez. Chamallow fourré à la crème de chocolat, super. Et l'umaibo à la yakitori, l'umaibo, on connaît, on aime bien ça. Voilà, c'est sympathique. Et voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire que les bonbons que je cherchais depuis 1 heure, le nom, c'est les Sakoma Drops. Et donc ça existe en normal, je dirais, avec une présentation normale. C'est les mêmes saveurs, c'est des fruits, enfin tous les fruits qui sont dessus, quasiment, c'est les bonbons que vous retrouverez. Il y a la petite forme, il y a une couleur et tout. Sauf la menthe c'est bizarre, c'est transparent et enfin ça choque un petit peu quand on le met en bouche. Alors voilà, un petit peu, on a fait le tour de cette Neon Box. Ah oui, ah bon, on a une petite histoire. Alors qu'au Japon, les cerisiers en fleurs nous en font voir de toutes les couleurs, et Hayao Miyazaki sort de l'ombre pour parler de son potentiel prochain film, on s'est dit qu'une box avec des objets colorés licenciés Ghibli serait une bonne idée. C'est une bonne idée. Au programme de cette Neon Box d'avril, pas moins de 8 produits minutieusement sélectionnés pour vous par les fans de Ghibli seront comblés avec 4 produits officiels. Les gourmands pourront se régaler avec les friandises typiquement japonaises. Pour la première fois, nous avons ajouté un magnifique t-shirt à votre box. Et ça, c'est bien. Et ça, il faut mettre des t-shirts. Mais il faut mettre des t-shirts en rapport quand même. Parce que là, le t-shirt Zelda, c'est bon. Voilà. Rassembler plusieurs objets Ghibli a été un véritable défi, et ça je vais bien le croire, vu le prix de certains objets, c'est assez phénoménal. Car même au Japon, n'importe quel produit officiel du studio est distribué en quantité limitée et n'est pas destiné à sortir du pays. Et c'est bien dommage. J'espère que vous appréciez cette box et que vous ferez plein de belles découvertes. On se retrouve le mois prochain pour une box toujours plus incroyable. Eh bien j'espère qu'elle sera incroyable la prochaine. On a découvert quelques objets plutôt sympathiques que je ne connaissais pas l'existence. Bon, bien sûr, il y a toujours plein de produits dérivés au Japon. C'est une multitude de produits dérivés sur un animé, sur un studio, sur tout ce que vous voulez. Et forcément, là, redécouvrir des produits, donc les quatre produits qui sont là du studio Ghibli. Enfin voilà, c'est quand même pas rien pour un prix qui est celui de la box. Je vous apprends rien. Et donc du coup, c'était plutôt un défi assez corsé, et je pense qu'il a été relevé en intégrant aussi un t-shirt à cette box. Donc je suis plutôt surpris par le contenu de cette box. Et bon, d'un côté, content, parce que voilà, c'est une box que j'attendais depuis un moment, parce que tout le monde l'a eu sauf moi. Donc au bout d'un moment, faut arrêter. Et je suis content d'avoir pu ouvrir ces box avec vous, en votre compagnie. Je ne sais pas si je réitérerai l'opération, parce que forcément, ça coûte, ça me coûte. Et ça ne. Voilà. Ça ne me rapporte pas tant que ça. Donc, au final, je pense faire une pause pour l'instant dans l'ouverture des boîtes. Je ne fais pas une pause, ceci dit, dans la culture japonaise, dans les animés, les mangas, la musique. Et tout ce qui s'ensuit, et surtout la culture, les paysages qui sont magnifiques, et les temples, et l'histoire. Ce qui me manquera, c'est surtout la petite histoire qu'on a toujours dans ces petits livrets. Pour l'instant, voilà, c'est la pause. On se retrouve prochainement pour une vidéo qui n'aura rien à voir. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche, restez curieux, et voilà, et on peut découvrir des trucs ensemble. Voilà. N'oubliez pas, si vous voulez, pour le pèlerinage, le lien est dans la description en bas. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le mec malade qui fait des ouvertures de Neon Box, voilà, avec son écharpe et tout. À ciao tout le monde.